Hey, salut tout le monde, c'est Bouskaman et aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 3. Ah, enfin putain la bêta. Pouah, luminosité, on s'en bat les steaks. On se retrouve enfin pour la bêta de Black Ops 3. On va dire qu'il y a à peu près 35-36 milliards de vidéos qui sont sorties déjà depuis hier. Ouais, bref, moi j'ai mis 24 heures à le télécharger, j'ai eu des petits problèmes de connexion, tout ça, comme à mon habitude. Et donc du coup, un petit peu la galère, donc j'ai pu y jouer que à partir du deuxième jour, donc aujourd'hui, jeudi. Voilà, on est le jeudi 20 août, j'ai jusqu'à dimanche pour sécher la bêta comme un gros porc. Elle lance grenade qui tire des grenades. MDR en même temps. Arme tir chargée libérant un arc. Ah, je veux bien l'arc. Je veux l'arc. Que personne ne tire sur ma cible. Je veux l'arc. Alors, au niveau des classes, vu que je découvre le jeu, même si j'ai vu pas mal de gameplay, faut que j'arrête avec ce petit accent de merde. Par contre, moi, je veux bien juste un gun. Voilà. On va juste mettre ça. On a une mortelle. D'accord. Voilà, on va juste mettre l'AK, hein, sans viseur, c'est très bien parce que l'AK, bah, c'est le feu. Ça, c'est le pompe. Je crois que le pompe est vraiment truc de porc. Ça, c'est le locus, c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai juste enlevé la batteuse et je vais mettre. Ouf. Ouh, allez, elle a l'air stylée celle-là. On va prendre celle-là. Ah non, il faut être un certain level. On va aller en match à mort. On va aller, c'est stylé, regardez en haut à droite, vous voyez joueur en ligne 45% dans la sélection. Ça veut dire qu'il y a 45% de toutes les personnes qui jouent à Black Ops 3 qui sont en match à mort. Après 28% en domination, bref, c'est un peu. Enfin, c'est vraiment stylé, ça c'est très très bien. Comme ça, on peut voir s'il y a du monde. Donc, voilà. Alors, il y a un truc un peu chiant sur la bêta. De ce que j'ai vu, c'est qu'une fois la partie lancée. C'est comme la ligue sur AW, enfin sur Advanced Warfare. C'est que s'il y a des personnes qui rage quittent, personne ne peut rejoindre. On ne peut pas rejoindre une partie en cours en fait. C'est ça le truc. Donc s'il y a des personnes qui rage quittent, parce que je vais faire un score de porc et c'est sûr, dès la première game, je vais faire un carnage. Les personnes vont être obligées de rage quitte. Tel mec, ta gueule. D'accord. Ok, d'accord. Alors. Donc c'est bon, je connais la map à peu près. Que j'ai vu pas mal de gameplay. Faut que j'arrête avec ce putain d'accent. Je suis pas du sud, hein. Mais voilà, il y a le petit accent qui fait que j'aime bien. J'ai précommandé l'édition Collector Juggernaut avec le mini frigo, tout ça de Black Ops 3. Donc j'ai eu deux codes. Et malheureusement, bah, les deux codes, je les ai donnés sur mon Twitter. Donc. Ils ont déjà été utilisés. Match à mort par Quand j'ai équipe. baissé le son, parce que c'est en train de me gueuler dans les oreilles. Alors là, on va juste enlever. Liquider tous les membres du CDP. On va enlever les vibrations. On va se mettre en 9. Merde, ce que c'est. 9, ça me paraît bien. Ok, d'accord, j'ai l'habitude de faire tout le temps des dashs. Ok, d'accord, c'est bon. Première fois que j'ai le gameplay. Première fois que je joue à Black Ops 3. Alors, niveau graphisme, tout de suite, ça se rapproche un petit peu de Ghost PS4. C'est plus beau que Ghost, et c'est pas plus beau qu'AW. En fait, AW, le truc c'est que. Le truc c'est qu'AW, c'était plutôt. Là, il y a beaucoup plus de détails dans ce jeu-là que dans AW. Donc, forcément. Ok, d'accord. Forcément que. Le mec, j'ai l'impression, mon gars. MDR. Bon, je voulais pas mourir, mais bon, c'est pas grave. Ok. Bon, les maps sont plutôt assez petites. Même si on galère un petit peu à trouver des personnes. En même temps, c'est la bêta. Putain, à chaque fois, j'ai l'habitude de faire des dashs en avant pour aller plus vite, tu sais. Oh, la tête. Ok, pas mal.
Ok. Première fois que je joue, les gars. Hein. Je tiens à le dire encore une fois. Donc ça va, pour l'instant c'est assez fluide. Bah ouais, vole-moi mon kill. Pas noté de baisse de framerate. Voyons voir les grenades sur ce jeu là. Apparemment elles font mal. Oh putain. Si, explosion. Ok, je suis un petit peu en train de chercher les gens. Ah. Ok, d'accord. Donc en fait, pour sauter, tu jump et ensuite tu fais un autre jump pour aller plus haut. Aller plus haut. Ok, toi je t'ai vu, pédale. Ok, il est passé dans l'eau. Ah, on a les niveaux d'armes. Oh, non, 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 non. Arrête de recharger, arrête de recharger. Oh oui. Je sais pas comment on fait pour annuler le rechargement sur ce jeu. Ok, on va mettre un petit drone. Ah, derrière. Alors j'ai envie de sortir un secondaire pour voir ce que c'est. Oh non, t'es sérieux, mec? J'ai loupé aucune balle. Ok. Ok, d'accord. Donc là, j'ai un arc. C'est génial, j'ai activé plus pour le bon moment. Hein? Y'a personne, tu sais. Ah, et puis lui, il me vole mon 3 assistances, quoi. Ta gueule. L'énergie du drone à 5%. Ouais, attends, j'aimerais bien utiliser mon arc là. Ok, d'accord. C'est génial, je viens de me suicider comme une grosse merde. Hop. J'ai envie de faire un kill à l'arme secondaire. Ok, c'est bon. La voiture est en feu là, elle va pas tarder à s'exploser. Oh dommage. Bon, on va faire deux games en tout sur cette vidéo sur mon... Ouais, peut-être un peu plus si je m'abuse bien. Voilà, pour l'instant j'aime bien le jeu. J'aime bien le jeu, ça touche bien. C'est cool. Bon, en même temps. Oh oh oh. Ah, c'est bon. Je voulais voir, j'ai essayé de drop shot, ça marchait pas trop des masses, tu vois. On va recharger. Ok, j'aime bien ça. Ok, la double était pas mal. Oh, dommage. MDR. Bon, pas le meilleur gameplay in the world, mais ça va quand même. Voilà, si, je suis monté sur les murs. Là, il y a l'air d'avoir souvent du monde dans ces escaliers là. C'est un peu le carrefour ici en fait. Là, qui passe les murs tout seul, pas l'habitude, tu vois. Meurs. Prochaine game, on prend le snipe. Juste pour voir un peu ce que ça donne. Ok, alors attends, parce que j'en ai vu un là-bas en glitch. Ok, je suis first de la game. J'ai l'impression qu'on voit pas quand il y a un headshot pour l'instant. Je sais pas, faut que je regarde. Oh là là! Vous l'avez vu ou pas? Oh, c'était beau! Je suis un cheater. Vite, compétence. Bah ouais, mais mec, j'essaie d'utiliser mon arc, tu vois. J'essaie de varier les plaisirs. Attends, il est AFK ou il est mort lui en fait? Ok, niveau 3 de l'arme, c'est cool. J'imagine que peut-être, comme dans MW3, niveau 30, on peut débloquer genre le camouflage en or, peut-être. Faudra voir. What? J'ai eu le premier shoot, mais il m'a quand même buté. En tout cas, je kiffe bien. Le gameplay, tu vois, on sent la patte de Black Ops. On sent un peu le personnage un peu lourd qu'on n'a pas dans la W. Et j'aime bien, tu vois, c'est un peu... tu poses tes couilles, tu vois. Ah d'accord, ça campe déjà, tu sais, le mec il s'est dit, pas le time, faut que je campe. Toi, on sent, faut porter ses couilles, tu vois, dans le jeu, tu vois. En fait c'est un peu... Attends, je viens de remarquer un truc. Genre y a... C'est un peu un décor de Jurassic Park en fait leur truc. Genre on est dans un parc à thème ou... Ça se passe comment? On est dans un zoo en fait. Je sais pas comment ça s'appelle le nom de la map. Unted. Wow, le mec il a un éclair, qu'est-ce qu'il me fait là? On est pas potes?
Ah, toi t'es mort. Vas-y, viens là. J'ai de pré-shoot comme un gros porc. Oh là là. Oh, y'a un mec dans l'eau. Ah, il est encore en dessous. Énorme. Colis stratégique allié en approche. Ok, c'est bon, si, en fait, y'a les têtes. Hein. Oh là 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 là, mais ça touche de ouf, hein, j'adore. Parce que dans la W, mon gars, laisse tomber, hein, tu tires sur le mec, tu tires des balles en plastique. Hein, Prophète tué. Les mecs, des fois, il prend pas ses balles. Hein. Oh là là, t'es sérieux, dude? Je crois qu'on va faire 2 games, 3 games en tout. Elle, voilà, à la RK machin là, la RK7. L'autre, on la fera au snipe. Et la dernière, à la mitraillette, je sais plus trop celle, comment elle s'appelle, mais elle ressemble un peu à une MP5, je crois. Oh, derrière moi. Bon, bah, on a win. Grenade! Bon, j'adore comment se lancer grenade, je trouve que c'est un peu à l'ancienne, tu vois, j'adore. Putain, il y a des fous, j'ai l'impression que j'ai une accélération comme ça de vitesse là, ça va trop vite. On va GG. Ok, c'était bien cool. Première game, c'était plutôt cool. On se voilà, c'est cette arme là qui ressemble un peu à une MP5 là, je trouve. Donc c'était cool, j'ai vraiment surkiffé surkiffé de ouf. Moi, je suis même pas premier. C'est combien en score? 17-13. Bon, ça va. Ça va, ça va. Ah, j'aime bien. Première impression, plutôt assez satisfait de ce Call of Duty. En même temps, vas-y, j'ai fait une game, s'il te plaît. Voilà, quoi. Ok, d'accord. Donc, on a débloqué poignée ergo. Donc, on va la mettre, même si je switch d'arme après. Alors, ça augmente la précision, donc c'est pas négligeable. Est-ce que j'ai débloqué quelque chose d'autre? Non. Alors, au niveau des atouts, est-ce qu'on aurait passe-passe? Ah, mince, changement d'arme et visée plus rapide après avoir sprinté et relancé là. Bon, d'accord. Il y a avoir pas mal d'atouts, c'est plutôt cool. Affiche la direction, bon, d'accord. Voilà, donc on va jouer avec celle-là. On va juste enlever une espèce de bazooka, la Stinger ou je sais pas trop quoi. On a des Semtex, normal. Mine. Bon, mine, ça va remplacer, j'imagine, les Claymore ou tout ce qui est Betty. La hachette. Le Tomahawk. Que j'aimais bien. Donc voilà, on change de map. En plus, c'est plutôt cool. Donc on va jouer au snipe. On va voir ce que ça donne si je me fais super défoncer au snipe, on changera. Le locus. On va juste augmenter un petit peu la sensible. On va se mettre en 12. Ok, donc j'aime bien la gueule du snipe. Je trouve pas mal. CDT, allez au contact et remporter la victoire. C'est bizarre parce que, en fait, regardez, là je vais appuyer sur ma gâchette. En fait, il vise vite, mais il y a une espèce de décalage avant qu'il vise. C'est un peu bizarre. Genre, il vise assez vite, mais il y a un petit décalage qui fait qu'en fait, il vise pas si vite que ça. D'accord. Non, ça, il vise assez vite quand même, mais j'aime bien. Ok. On va tenter de faire des choses pas mal quand même. Surtout que là, je suis à moitié là où il y a tout le monde. Putain, c'est hardcore. Ah, c'est putain de chaud, mon gars. Laisse tomber, quoi. Ah, j'aime beaucoup le gameplay. C'est bien fluide au niveau des mouvements. J'aime bien. Alors, attendez, je vais baisser un peu ma sensi. Bon, ouais, c'est déjà un peu mieux, là. Drone en approche. Oh là là, j'ai flippé. Et puis l'inoscope, j'ai l'impression que ça va être un peu dur à remplacer. Je sais pas s'il y a viseur. Ouais, une petite baisse de framerate un tout petit peu là. Cible descendue. Il m'a fait peur.
Oh là là, non, le snipe est très dur, je trouve. Apparemment, il est beaucoup plus dur que l'alpha. D'accord, il me vole mon kill. Y'a un mec qui se TP ou quoi là? T'as le mec qui se téléporte sur moi ou je sais pas quoi là. En tout cas, 8 balles dans le chargeur, c'est plutôt le feu. Putain, quand tu tires avec le sniper, tu ressens des choses. Mais on va on va arrêter le snipe là, hein, très clairement. J'essaierai de vous refaire un petit gameplay avec prochainement, mais là c'est un peu la dèche. Oula, cette arme là elle a l'air d'être, ça a l'air d'être le feu très clairement. D'accord, si on vole mes kills c'est génial. D'accord, c'est moi où il s'est suicidé le type. Non, pour tout ce que j'ai fait pour aller te chercher, gars, me bute pas comme ça. Hein. D'accord. Non, le jeu est quand même plutôt assez beau, mais ouais. Moi, alors en fait, quand j'ai vu les premiers gameplays, pour moi, graphiquement, ça se rapprochait le plus d'un Ghost, en fait. Vas-y, casse-toi, s'il te plaît. Ou Black Ops 2, ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu, mais c'est des couleurs un peu moins pétantes quand même que Black Ops 2, parce que Black Ops 2, ils ont. C'était un peu un rêve féerique pour eux, les couleurs dessus. Putain, j'essaie de faire des double jumps, mon gars, mais si t'as pas de palette, vu que j'ai pas de palette sur play, un petit peu la dèche quoi. Oh là là! Oh là là! Oh, t'es sérieux, mec? Y avait une collate à se faire à l'arc là. Est-ce que j'ai mise ou. Je suis pas sûr, non. J'ai regardé la feed, non. Mais c'était putain de stylé ce que j'ai mis, mon gars. Oh, tiens, un peu crade l'arc quand même. Hein. Y a un décalage avec là, c'est assez infâme. Ok, d'accord. Franchement, c'est le feu. Le jetpack, j'adore ce qu'ils ont fait. C'est un peu compliqué à le prendre en main, mais j'adore. Je trouve que c'est putain de bien fait. Je kiffe. C'est quoi, c'est un RCXD ça? Drone allié en approche. Oula, pris un mort de dégâts. Donc c'est bien, il y a le retour des dégâts. Ça va, tu lag pas trop toi? Oh merde, par contre ça touche instant, hein. Ça c'est génial mon gars, t'as pas de petit décalage comme j'avais sur AW là. Vas-y, essaie de te mettre au pré-shoot toi, je vais mourir. Pédale. Je kiffe parce qu'on revient un peu aux sources, tu vois, c'est vraiment un petit gameplay à l'ancienne et tout, j'aime bien. Drone allié en approche. L'échec n'est pas une option, ne lâchez rien. Il est où l'ennemi là? D'accord. Il avait pas le time le pauvre. Il a défoncé avec ses épées là. Coupé en pleine course. Ok. Ah le locus ça. Drone allié en approche. Avec la visseur à coque, peut-être que ça le fera mieux. En fait, il est super rapide à viser, mais il y a un décalage avant de viser, en fait, ça le truc. Et c'est un peu perturbant ce petit décalage. En fait, c'est pas instant. C'est ça que je veux dire. Putain, je l'avais vu. Eh, c'est un truc de porc, les mecs ils campent. D'accord, la deuxième game, mon gars, elle est pas potable. Elle est pas potable du tout. Il n'avait aucun moyen d'échapper. Bon, je kiffe de ouf. On va faire une troisième et une dernière game. Et puis voilà. J'aimerais bien débloquer un petit silencieux sur la RK7 là. Ce serait sympa. J'suis toujours avec Mister Game x3.
Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Donc c'est la, comment ça s'appelle? La CUDA. Qui ressemble un peu. Bah j'aime bien. On va peut-être prendre le pompe. On va faire une partie au pompe, comme ça on aura testé un peu toutes les armes. Mais c'est vrai que le snipe là, voilà là. Faut que je fasse plusieurs games avec pour essayer de faire quelque chose. Apparemment le pompe est bien, bien old school tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. D'accord, on peut pas voir l'autre côté, c'est génial. Ok, la même map, donc il y a trois maps. Il y a trois maps sur la bêta. Alors qu'à l'alpha, il y en avait quatre. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé l'autre. En tout cas, moi j'aime bien les maps, je trouve, elles sont assez équilibrées. Et puis c'est vraiment à l'ancienne, tu vois vraiment les deux spawns déterminés. Tu vois vraiment là où spawn les ennemis, enfin c'est cool. J'aime bien, c'est pas des spawns un peu bizarres en milieu de map ou des trucs chelous un peu. D'accord. Ennemi dans la zone, tirez à vue. Montre, on vise putain de rapidement, j'aime bien. Donc le pompe vraiment old school de type old school. Je sens le pré-shoot des familles ici là. D'accord, vraiment pas loin là. Alors voyons voir. Et encore les glissades? Ouais, c'est bon. On va essayer de les contourner. Voilà. Leur stratégie HS. Ah, en fait, il me faudrait juste une arme. Stylé, comment il recharge? Il me faudrait juste une arme pour assurer mes longs shoots. Oh là là, t'es ouf ou quoi? Pourquoi j'avais dit prophète tu sais pas pourquoi. Merde, j'aurais dû switcher sur mon arme secondaire. Alors ce que j'aime bien sur ce jeu, c'est que les armes secondaires ont l'air d'être plutôt assez importantes. Donc c'est cool parce que... D'accord, t'es mort toi. Parce que quand tu regardes les armes secondaires qu'ils nous ont foutu sur les derniers codes... Enfin sur AW surtout. C'est un peu de la merde quoi. Même là, le premier gun, tu vois, normalement le premier gun c'est censé être une merde. Et bah. Il est plutôt dard. Donc il y a quelques baisses de framerate, j'ai bien quelques baisses, mais c'est pas aussi prononcé que sur AW. Ghost, je veux dire. Ghost c'est vraiment infâme. Oh là là, mais mec, son truc c'est cheaté! Il lagué comme un gros porc. Ouais, on va dire que c'est pas trop la map. Oh, l'hit marqueur que je lui ai tapé quoi. Ah, d'accord, c'était un ennemi. D'accord, très bien. Ok, toi je t'ai hit marqué, mais j'ai buté. C'est bon. Il y avait un ennemi là-bas, non? C'est un pote. Putain, on court putain de vite, je kiffe. Alors est-ce qu'il y aura un mec au pré-shoot là-bas? Ah, elles sont explosives à moitié en plus. C'est quoi ce truc? Leur stratagème HS. Ok. Wow. C'est quoi ce machin? Je me fais violent. Je me fais victime par des trucs électriques, mon gars. Je sais pas trop ce que c'est. On va se calmer direct. Ok, donc ça, c'est les espèces de trucs qu'il y avait sur Black Ops 2 là. Les trucs infâmes. Drone en approche.
Attends. What? Ah oui, il a un Airstorm, d'accord. Il m'a défoncé, mon gars. Le mec, il est... Ok. Oh là 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 là. Je suis défoncé. Donc il est bien le pompe, mais pas sur cette map là, tu vois. C'est. D'accord, le mec est au pré-shoot snipe. Il a pas le time. Sur cette map là, c'est pas trop le feu, on va dire, le pompe. Hein. Oh, attends, on va peut-être prendre la RK7 là. Ouais, bah oui, je sais, il y a un snipe. Oh là là, je m'allonge devant un ennemi quoi, les boules. Les boules. Ah, je kiffe trop le. Tu sais, il y a une petite musique de rock et tout, c'est. Putain, je kiffe bien. Je kiffe de ouf. Drone en approche. D'accord, il est mort. J'ai l'impression qu'il y a un ennemi derrière nous. Ouais. Ah, c'est bien ce que je pensais, ouais, il y avait un ennemi derrière nous. Ça par contre, ça commence à me vénère de ouf le truc électrique, mon gars. C'est... Ça a l'air d'être plutôt cheaté, ou alors le mec juste c'est un PGM, tu vois. Mais ouais, l'arc je reprendrai plus. Hein. C'est bien et tout ça, mais... Donc toi t'arrêtes de laguer s'il te plaît. Donc clairement, les cuts ne tuent plus en un coup. Fais-moi ton snipe. Ah, tu m'expliques là ce qui s'est passé. J'ai trop cher. Je pouvais pas le louper et tout. J'ai loupé. Oh là là, ils m'énervent avec leur truc là. Ah, défaite. Bon bah voilà pour 12-12, d'accord, MDR. J'espère que c'est... Vidéo sur Black Ops 3, j'allais dire petite vidéo, mais bon, elle fait quand même 30 minutes. Vous aura plu. J'ai essayé de rec le plus possible de gameplay pour pouvoir vous en proposer jusqu'à la sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.